Allons-y. Allez, ça a pas de bon son. Embrinus. Persasivo. Cartapocalypse. La musique est pour Charlie. On dirait que tu ne peux pas supporter la chaleur, Wolfgang. Comment veux-tu goûter mes gantelettes? Wow. Jess, éteins ça. Ton bus arrivera dans quelques instants. Dépêche-toi, encore 5 minutes, maman. Je t'ai donné 5 minutes de plus. Il y a 10 minutes passées. Ouais, Wolf, gang va acheter un fenêtre et crier. Ah, il est en chaise roulante, le petit gars. J'ai besoin que tu conduises à l'école. Oh, j'y vais. Je pense que tu vas bien t'amuser dans cette nouvelle école. Ouais, je parie que je vais bien m'amuser. Je dois partir. Ne manque pas le boss, s'il te plaît. Je t'aime. On n'arrivera pas. Je t'aime aussi, maman. Ouvrez la TV. Lundi, la nouvelle venue. Est-ce que une boîte à lunch officielle de Mega Mutant Power Pet? Craignez-vous pas que tout le monde vous voit me parler? T'as mis Mega Mutant Power Pet? Ouais, j'ai dû manger 10 boîtes de Marshmallow Crunch de Power Pet Mutant pour l'avoir. Wow, c'est méga cool. Tu dois certainement aimer le jeu. En fait, je n'ai jamais... Je n'ai pas joué au jeu de cartes. Le spectacle est extraordinaire. Quoi? Tu ne survivrais pas à Duxdale Elementary sans jouer à Power Pet? Moi plus, ma famille vient d'emménager ici. C'est mon premier jour et je suis un peu nerveux. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre tout ce que je dois savoir pour y survivre. La première étape consiste à jouer à Power Pet, alors jouons. Mais je n'ai pas de carte. Mes parents ne me laisseront pas les acheter parce que j'ai un problème de contrôle des impulsions. Et passons ensuite à l'étape 2, l'échange du déjeuner. Moi, j'ai un paquet de Cheesy Dicky. Et toi? J'ai une bonne barre au caramel et oh mon dieu! Tu as trouvé un pack débutant de Wolfen dans ta boîte à l'un. Wow! Aucune façon, un pack de déménage Wolfen Super Spite en édition limitée. Il y a une note, il dit. J'espère que tu gagneras un méga de premier jour à l'école d'Adzo, sans père. Le meilleur papa a jamais joué avant d'aller à l'école. Allez, on joue. Yolanda vs. Jess! Calibre Canadien, êtes-vous prêt à apprendre le merveilleux Power Pet? Yes. Oui! Tu commences. Ceci est votre champion.
Ceci est le champion de l'adversaire. Tous les champions commencent à être 30 points de vie. Oh oh! Putain. La santé de votre champion est réduite à 0, cela signifie que vous avez perdu. Ceci est la force d'attaque de votre champion. Essayez d'attaquer le champion ennemi avec votre champion. Essayez de... Le champion ennemi a perdu le même nombre de points de vie que ceux que vous utilisez auparavant. Lorsque vous attaquez l'ennemi, il vous frappera avec son attaque. Ceci est votre nourriture pour animaux de compagnie. Commencez une partie avec une nourriture. Votre maximum de nourriture augmente de 1 au début de chacun de vos tours. Une nourriture se recharge à ce nombre maximum au début de votre tour. Alors n'ayez pas peur de l'utiliser. C'est votre main. Utilisez la nourriture pour jouer les cartes de votre main afin de... d'aider au combat. Examinez le sous-titre. Et sous-titres font aussi une attaque et une santé. Il a une santé et le sous-titre réduit à 0, c'est détruit et retiré à partir. Certains sous-titres sont des capacités spéciales où vous pouvez examiner une carte pour voir les détails des capacités. La bêta quoi? Les sous-filtres ont besoin de nourriture, vous devez... Ouais, ce serait cool ça. Vous n'avez pas encore assez de nourriture pour jouer cette carte. Vous devez attendre pour jouer. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Autour de Yolande. Yolande me sac un coup de poing. À ton tour. Oh. Hey, regardez, vous avez maintenant deux nourritures. Deux, je peux faire la tortue. Vous tirez une carte de votre deck au début de votre tour, cela ramène ça un coup trop de nourriture pour être joué à ce moment. Vous pouvez jouer Taunt Inverse, il est temps de déployer un sous-titre. Notez que votre nourriture disponible a été utilisée lorsque vous avez joué Taunt Inverse. Un sous-titre ne peut pas attaquer le même tour qu'il a été déployé, vous devez attendre le prochain tour pour pouvoir attaquer avec une... Ok. Leur inverse avec 3 points de santé quand il était dans la main, mais ils ont maintenant 4 points de santé. Les capacités de votre champion procurent une vie supplémentaire. Examinez votre champion pour en savoir plus. Au sous-filtre qui en défense gagne plus 1 en santé. La forme de méga de votre champion, nous examinerons cela plus tard. Agilité scrapée offre un sous-filtre. Non, c'est votre champion. Utilisez votre champion pour attaquer. Autour de Yolande. Hey Derek, comment ça va? Ouch. Est-ce que vous pouvez vous rappeler que cette tire est un défenseur? Votre mine ne peut plus attaquer avant que le défenseur ne soit détruit. Ah. Votre adversaire est également joué à torté inverse. Ça signifie que vous ne pouvez pas attaquer son champion avant d'avoir vaincu son défenseur. Ah mon dieu, ok. Aucun AGT, mais il y a beaucoup de puissance. Des fois, une bonne stratégie n'est pas attaquer, sauver votre tour inverse maintenant. Terminez votre tour. L'adversaire a joué un sous-filtre avec planqué. Il ne peut être attaqué qu'après avoir attaqué votre carte. Ouais. Ouch. Vous avez dessiné une mutation, examinez pour voir le détail. Lorsque vous déployez une sous-filtre qui coûte 5 ou plus de nourriture, double attaque de sous-filtre. Ça s'emballe jusqu'à ce qu'elle soit jouée. Tiens, il n'y a plus de chat. Bon, là, on peut attaquer. Tu le rats.
Ah, on a plus. On mort tous les deux. Lapin crétin. Ça c'est dur ça! Wow, qu'est-ce qui s'est passé là? La santé du champion ennemi a atteint 15 ou moins la santé. Ils vont devenir très méga. Ce qui veut dire. Éteignez l'ennemi méga qui frappe afin de vérifier si. Au suffit de son défenseur gagne plus 1 déployé, suffit de 3 qui possède. En tout cas, suffit de méga scraper, le défenseur obtient désormais une attaque. Pensez-vous avoir ce qu'il faut pour devenir un maître de méga? Je suis un malade moi. Viens, c'est un petit crise de... T'as 15 aussi. Bien d'où lui, je savais même pas qu'il était là le chien. Tiens, double mort. Tiens. Tiens. Ça va pas bien, Yolande! Ouch! Ah, y'a eu un défenseur, tu me niaises! Bon. Si je fais celui direct, il est mort. Tiens! Je l'ai fait, j'ai gagné! Sérieusement? Je vais dire tous, la prochaine fois, je vais pas vous calmer. Ça va, Derek? La chance des débutants, peut-être tu es le champion d'école en rien de temps. Je sais ce qui est. T'es l'un de mes meilleurs champions, le meilleur chien Wolfgang. Tu peux l'emprunter. C'est bien mieux qu'un champion au départ. Ah! Il m'a dit Wolfgang! Wolfgang! Le chef de la meute! Wolfgang! Merci! Wolfgang domine, merci, c'est vraiment méga de ta part! Et tu m'as jamais dit ton nom! Je suis Yolande, je suis assez belle pour cette école. Et un jour, je serai assez gros quand je serai le célèbre comédien. Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi, hein! Et un jour, je serai assez grand. Ravi de te rencontrer, yo. Merci de m'avoir appris à jouer à ce jeu. Ravi de te... S'il te plaît, ne m'appelle pas comme ça. Appelle-moi Yolande ou Yo. Il y a peut-être un truc qui a peut-être eu lieu avec le jeu, avec un Yo qui te visite au bureau de l'infirmière. Hey Pat, what's up? Je m'appelle Jessica, mais tu peux m'appeler Jess. On dirait qu'on est à l'aise ici. T'es excité pour ton premier jour? Ouais, mais il y a aussi les méchants grands enfants, les professeurs effrayants, et bien sûr, il y a Bruce. Et maintenant, je suis moins excité. Allez, comment ça? Ça pourrait pas être pire. Tu pourrais être prêt à avoir un ami comme Pat the Butcher Traps. En aucune façon, tu as une belle chaise aussi. Puis-je l'essayer? Je pense que ma chaise est cool.
Et j'en ai un peu besoin, tu sais. Évidemment, mais si j'en avais une, elle serait recouverte d'autocollants. La dernière avait plein d'autocollants, mais j'apprécie à quel point elle est brillante et propre. Jessica Carter et Jacob Pilgrim, venez immédiatement au bureau de la principale. Qu'est-ce que tu as fait? Rien, je viens juste d'arriver. Je pense que je dois y aller. D'accord, hey, tu veux passer du temps dans la cour de récréation et tu peux être une autre partie. Bien sûr, mais il y a où le bureau principal? Pas de tes affaires. Ça va, mon père? Salut Pilgrim. C'est toi, je parle Jacob Pilgrim, je suis Jess Carter, l'autre élève qu'ils ont appelé au bureau. D'accord, on a des problèmes. Écoute, les enfants vont penser que tu es bizarre s'ils te voient me parler. Hein? Pourquoi tu es un fantôme? Je m'assis seul au déjeuner en classe et je ne parle pas beaucoup, alors je n'aime pas être tout le temps avec les gens parfois. Je veux juste être seul et me détendre. Comment? Nous pourrions toujours nous retrouver seuls ensemble. Et changeant de sujet, tu joues à Power Pet? Personne ne veut vraiment jouer avec moi, mais je collectionne les cartes. Eh bien, tu veux jouer maintenant? À l'entrée du bureau du principal. Tu peux avoir des problèmes, non? Ce n'est pas comme si on était interdit de quoi que ce soit. On n'est rien sans rien, je suis à peu près sûr que ça n'était pas censé décrire cette situation. Toi derrière ton livre, est-ce que quand arrive, tu peux leur dire juste que tu montres comment c'est? D'accord, joins. Jacob contre Jess. Precious contre Wolfgang. C'est bon, de passer autant de traîner à jouer. Ouais, et nous faisons quelque chose que les anciens n'aiment pas. Ce qui fait nous rebelles, Jacob commence. Un défenseur, ça commence pas bien. Pas fini, on va se remettre. C'est un défenseur, ça. Bien. Bien. On est capable. Nos défenseurs. Il est mort. On est à 5. C'est-à-dire qu'on peut mettre un beau lapin. Oh, ça, ça fait ça. Okay. Putain, ça. Tiens. Tiens, hein? Salut, rebelle officiel, what's up? Et je pense qu'on va peut-être l'avoir. Pas sûr, par exemple. Ah, déjà à moi. C'est mal, ça. Bon, ça, c'est quoi, ça? C'est pas ça, ça fait de mal. Ça aussi, ça fait mal. Pas du tout.
Hey! C'est à moi. Ah, oh, il me tue s'il me fait se dire. Ah non, ok. Ok. C'est à moi? Ah, oh, il est sorti une défense. Ah, oh, j'ai un défenseur là. Il a combien de points? 3? J'ai rien. Ah, oh, oui, j'ai ça. On a plus de défense. Je pense que je vais peut-être perdre finalement. Oh oh! Eh! Peut-être pas. Je pense que j'ai eu! Belle victoire! Wouhou! Merci, Rebelle officiel. Chess gang! 2 en 2! Bien joué, tu as battu quelqu'un qui joue pour la première fois. Ah, j'ai gagné, n'est-ce pas? Pire. Jessica Carter! Oui. Suivez-moi. C'est une fille. Attention, tout le monde raconte qu'elle peut sentir la peur. Bon, maintenant, je suis plus du tout inquiet. Merci. Salut, Monsieur Red. Heureux d'avoir pu t'aider. Maintenant, même Carter. Bon. Il y a de la difficulté, par exemple. Monsieur Carter, nous, Mrs. Carter, nous ne tolérons pas les blagueurs, les clowns ou les fauteurs de troubles. Oui, madame. Si jamais je ne surprends, petit malin, tu auras le gros problème. Je pensais qu'être intelligent était le but de l'école. Tu aimes l'idée d'avoir une détention ton premier jour? Non, madame. Bien, cela facilitera beaucoup nos vies. À Douglas Elementary, tu t'adresseras à moi en tant que Principal Harding. Moins vous me verrez, mieux c'est. Et si je vois des cartes, je confisquerai ces cartes de Super Pet. Comment vous savez que j'ai des cartes Power Pet? Tous les élèves de cette école en ont ces maudites cartes. Si vous voulez les garder sous vos mains, je vous conseille vivement d'arrêter d'en parler à tout le monde. Les gardes sous mes mains. Non, pas tout, t'es... peu importe. Je vais vous assigner un camarade pour vous faire visiter les familles et les étudiants. Jacob va d'abord te montrer ton casier. Bienvenue à Dustdale Elementary. Merci, Madame Harding. Ça, c'était quoi? Et Madame Principal Harding? C'est ça ce que je pensais. Oh, rebelle. Passe ton casier, Jess. Hey Jacob, qui est le nouveau gamin? Elle s'appelle Jess. Jess, c'est Cédric. Tu penses quoi de l'école? Tu la trouves cool, hein? Tout le monde est si gentil. Hey, Jerick, arrête de perdre ton temps avec ces rondelles de hockey. Nous allons les accrocher au vélo jusqu'à ce qu'à la classe. Je dis juste bonjour à la nouvelle. Tony, j'y vais dans une minute. Tu joues à Power Pit? Je commence seulement à jouer aujourd'hui et c'est le meilleur jeu de tous les temps. N'est-ce pas? Je... t'as pas dit que tu jouais à ce jeu de gamin, Seth? Ah non, je voulais dire que je sais que les enfants aiment ça. Mais faites attention, car les anciens ne l'apprécient vraiment pas. Je les avais juste prévenus pour qu'ils ne se fassent pas prendre par les professeurs Tony. Oh oui, oublie les enseignants, mec, ils sont nuls, allons-y, suivez-nous. Ok, ils sont partis, joins. Vraiment? Mais vraiment, à moins que tu sois du poulet grillé, le plat préféré de mon miasma. Cédric contre Jess! Allez, prends-le. Attends. Je pensais que ça aurait fait si fort que ça. C'est une erreur. Ouais, grosse erreur. Ah ben au moins il est mort direct. Bon.
C'est mort. Ah. Tiens. Tiens. Ah, shit. J'aurais pas dû taper avec. Trop tard. Ah, oh, il m'a tué d'une shot, mais il y a 12, moi j'ai 22. Il va pas gagner une volée du siècle. Je mets un défenseur après. Je mets mon défenseur. Le petit chien défoncheur. En ce que j'ai, il m'en reste 2. Je peux mettre ça. Ah. Il en reste rien que 5. Allez, c'est vrai. Vas-y, mon petit chanceux, si t'es capable. On met un autre défenseur. Comment ça sert? Okay. Un défenseur. Le chat. En reste 2. On sort en moins. Embuscade, c'est quoi? Une serpent qui sort d'une part. Ah, c'est le chat. C'est bon. 8. Là. 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 Bon. C'est fini, ouais. Non, j'ai perdu. T'as perdu, certainement, t'as perdu. Par le grand champion méga mutant de l'univers. Chess Gang. Encore. Avec une stratégie encore. Bien joué, nous devrions jouer plus souvent. Bien, j'ai d'abord un essai sur l'origine de la soupe, puis une réunion avec les dirigeants du club, puis je vais au club après l'école et... Ted, quel est le problème? Tu sais que j'ai une rédaction à rendre aujourd'hui et qu'elle doit être prête. Allez, viens, quoi? Désolé, mais je dois y aller, je dois juste prendre la livrée dans mon casier rapidement, Tony. Oh, une carte qui a tombé. Cédric, je pense que tu as laissé tomber quelque chose. Non, ce n'est pas le mien. Oh, une nouvelle carte! C'est une carte et elle bienvenue à Dodsdale. Ce n'est pas une mauvaise façon de commencer la journée, hein? Salut, Monsieur Red. Pas mal du tout. Oh, si votre champion est méga au début de votre tour, votre champion gagne plus 2. Ça contient une en plus. Je regrette de ne pas avoir commencé à jouer ce jeu-là avant. Ça fait longtemps que je l'avais. Donc ici, c'est la cantine. Ne mange jamais quelque chose ici au cas. Les poulets ont évolué à partir des dinosaures. Je veux dire, je peux lire à la cantine. Je veux dire, j'ai vérifié les règles. Wow, prends un chill pill, Sam. Je te parlais même pas. Pardon, je suis juste un peu nerveux. Je pensais que tu étais un enseignant. Je ne lis pas vraiment les organismes en deck. Je ne lis pas vraiment, je réarrange mon deck. Les enfants prennent vraiment le jeu au sérieux ici, hein? Je pense que cela s'appelle prendre le jeu au sérieux. Oh, tu es vraiment nouvelle ici. Je suis... Oh bon, on m'appelle le premier jour, je m'appelle Jess. Et c'était mon premier jour, je serais tellement nerveux que je resterais dans la toilette toute la journée, tout en vomissant. Tu peux être embarrassé ou avoir un gros problème, ou tout le monde pourrait juste t'intimider, ou... Ça signifie pas que tu dois paniquer. Calme-toi, n'aie pas peur. Oh. Tu veux voir mon deck? Fou. C'est sympa, comme tu as terminé la construction de ton deck, tu veux jouer une meilleure partie? Ouais, il y a des professeurs, dépêche-toi, joue! Cela peut aussi bien, les professeurs détestent vraiment et tous les enfants qui jouent. Donc tu ne joues pas. Parfois quand quelqu'un veut me défier, mais je joue rarement. Et il n'y a personne qui regarde, jouons une partie. Sam contre Jess. Bon, nous pourrions avoir beaucoup de problèmes. Ah ouais, dépêche.
Comment ça, deux? Parce que vous déployez... Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, regarde-moi. Marvel, ok, bienvenue à la tribu du Caribou Canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en follow. Oh yeah, welcome to my channel, my friend. Take your place and look at me. Yes. Bon. Bon, les gars. J'ai encore un autre défenseur. Si ça m'a fait un moins 2, j'avais pas vu ça tabac. Hey man! Vengeance tirer une carte. Tabac, il pète ma défense direct! Ok. Pas 7. Ah merde, là, j'ai pas gardé ses... Faut que je glisse les cartes comme il faut. Ah, j'avais pas vu ça. Ah, mes cartes coûtent 1 à cette heure. À cause de quelque chose que j'ai fait. Et celle-là coûte 0. Et le POW! Il est dans la... Est-ce que vous avez pris un... Attention, c'est à moi ou c'est à toi, là? Ça. Hold. Et tant ma défense va finir, ça va être correct. Je sens lui. Ça fait mal ça. Ça fait mal, bon. Ok. Calme-toi, calme-toi. Ah, oh, mon lapin, merde. Non! Et il reste un. Deux. C'est fini. Fini! Victoire! Fonce dessus, Sam! Mon pauvre Pip Quit. Chess Gang! 3 en 3! Ou peut-être 4 en 4! Waouh, tu es vraiment bonne! Je suis malade, c'était génial, le jeu est tellement plus amusant quand tu joues contre quelqu'un. Eh bien, nous pouvons jouer à tout moment. Vraiment, c'est le meilleur déjeuner de tous les temps. Altaté. Madame Werner nous regarde. Nous avons fini ici de toute façon. Allez, Jess, tu veux voir la cour? Allons-y. Voici la cour. Je t'en mais je ne viens pas souvent ici. Enflé. Je vais prendre en charge la tournée. La cour est l'endroit où les losers vont s'ennuyer. La tournée est terminée. Sensationnel, merci beaucoup. Aucun problème, alors tu es le petit nouvel, hein? Je viens d'emménager en ville, je suis Jess. Je m'ennuie, tu as eu des cartes? Tu veux jouer à Power Pet?
Je vais changer, tu gagnes en ayant les meilleures cartes. Les compétences n'ont rien à voir avec ça. Elle s'associe les collations. Bonne collation seulement, pas de bâton de carotte. Jess peut faire des échanges. Car tout au long de la recherche des enfants, qui essaient de faire des échanges en regardant ce qu'ils ont de proposer. Les cartes de lesquelles tu peux faire des échanges sont affichées à droite et celles de ta collection apparaissent à gauche. Ajoute des cartes jusqu'à ce que l'autre personne accepte l'échange. Les cartes communes ont moins de valeur que les cartes rares ou légendaires. N'oublie pas que tu peux aussi les échanger contre des encas de ta boîte de déjeuner. Parce que là, comme carte, lorsque vous... Les cartes mutation sont jouées lorsque... Sauf gagne plus 5 en santé. Lorsque vous substituez la source ennemie, vous sauvez. Pourquoi vous souffrez de toute façon? Maintenant que nous avons tous les deux des cartes, génial, tu veux jouer? Je n'ai rien de mieux à faire, pourquoi pas. Bon. Allons-y! Ashley Kanger. Juste pour tout ça, je suis là pour gagner et non pour faire des amis. Ok. Charge. Ah oui, il peut me faire mal direct. Tiens. Pas plus. Mon chien a plus 5, je suis bien content. Oh, Tyrone pas content. S1. Je pense qu'il fait S3. Okay. Là, on peut le tuer direct s'il veut. Hein, il arrive d'où, toi? Je pense que j'ai 6. Je fais un coup de cochon. 1. 2. Tiens. C'est mal, hein? Même pas fini encore, c'est ce qui est pire. Check ça. Ah, c'est toi, je vais faire ça, je me suis trompé, mais c'est pas grave. On met une carte en plus. T'as même pas de chance, oublie ça. Bon. Fat fort,
Tiens, il est mort. Direct. Et regarde, j'ai gagné. Tu... Puf, peu importe. Peu importe, on t'a détruit! Je suis... Et aller doucement avec toi. Tu es vraiment bonne, tu veux rejouer plus tard? Bien sûr, peu importe, je te vois plus tard. Elle a l'air gentille, je l'ai détruit. Tu parles que... exactement, oui, je dois y aller, j'ai un truc à faire. Et pourquoi tu restes pas ici pendant un moment? Quand tu auras fini, trouve-moi dans la bibliothèque, je vais te montrer les meilleurs endroits de l'école. Méga cool! Explorer la cour d'école, dirige-toi vers la bibliothèque quand tu es prêt. C'est difficile d'être aussi célèbre. Les enfants étranges vous suivent partout. J'aime ton chapeau. Vraiment, merci. C'est tellement moche qu'elle est élégante. C'est méchant, ça. S'il te plaît, Seigneur, laissez-moi écraser totalement la prochaine personne qui je joue par Rupert. Oh, moi je veux jouer. Fais amusant, tu sais qu'un araignée bébé s'appelle une araignée. Tu as une autre chose plus amusante, tu sais que cela m'empêche pas de les écraser. On veut jouer ou on joue pas? Et j'ai gagné mon champion, ne me déçois jamais. Tu sais, tu aimes tellement ton champion, pourquoi ne pas se marier avec? Ok, bye. Oh mec, oh non. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un cours de gym après la récréation. Et alors? Je déteste les cours de gym, sifflement. Chaque fois qu'une balle s'approche de moi, je veux me transformer en chauve-souris et m'envoler. Le son du sifflet de Madame Armstrong me fait éclater de façon irréfléchie. C'est le pire! C'est bien, mais je suis désolé, ne fera pas grand-chose pour moi. Ce que ce suceur de son a besoin, c'est une excuse vraiment solide. Un que je peux utiliser pour chaque cours de gym. Trouver une excuse valable pour Danny. Tu n'as jamais vu ma capacité, personne ne me croit à ça. Désolé, Danny, j'ai essayé. Merci quand même, je ferais mieux de commencer. Triste. Tabarnak. Sorry. Je joue aux cartes. Okay. Pourquoi tu as l'air triste, gamin? Ce n'est rien, je viens de... Tu joues à Power Pet? Oh, alors, je parie que tu as vraiment bon à ça. C'est juste à ça, je n'ai même jamais gagné une partie. Pour une fois, j'aimerais gagner. Tu vois comment c'est? Tu penses que nous pouvons jouer et me laisser gagner? S'il te plaît. Allez, Angelo contre Jeff. Allez, petit gamin, arrête de broyer. Moi, comment ça, c'est? Arrête de chialer, Derek. Viens, toi. À de chialer, j'ai dit. Est-ce que je vais gagner selon toi?
Je pense que je vais gagner. Oh, pas mal pour lui. J'arrive pas du tout de mettre mes défenseurs. J'arrive vraiment pas du tout. Oh! S'il fait, s'il est mort. Plus de défense. Oh non! Non! Ma première défaite! Wow. C'est la faute à Derek. Dans les escaliers. Il était bien là. Zut, j'ai pas pris le banc.
Allez. J'avais pas vu que le renard était... Et là. Je viens de réaliser, je suis pas obligé de frapper avec mon bonhomme. Pas obligé de perdre l'énergie avec. Victoire! Au bat Jacob.
C'est ça de même. Un avantage de 7, on se baisse pas plus qu'il faut. T'as plus de défense. Ah, j'ai quasiment fait une erreur. Ouch. Oh non! Je suis trompé, j'ai fait une erreur, je pense. Shit, un avantage cochon. T'en doutes, t'as calice. Tabarnak. Lui, il peut me faire sit. Non, il peut pas. Il me reste des défenseurs. Non, j'ai plus de défenseurs! Let's go, une dernière petite partie. Hein. Je perds ce game set, j'en reviens pas. Là. C'est dangereux, ouais, que c'est les trois affaires. Et puis de défense. Thank you.
Manteau. Et puis... Hein? Chess gang contre Bruce la brute. C'est pas ça que je voulais faire, sans faire exprès. Wow! Wicked! What was that? It's the Mega Mutant Power Pets! They're coming to take over! Don't be stupid, ne sois pas stupide, vous deux. It was just... C'était juste un éclair, je pense. Just... Juste de la foudre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est drôle, c'est ce que le plus créatif. Faut se battre. Confisquer les cas. Les cartes sont interdites. Voici la petite phrase, tu sais qu'elle dit. Bon, sauvegarder. Et... C'est... Alors, c'était tout pour